Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne Deux filles, une ville. Cette semaine, on a décidé d'essayer toutes les boissons froides à moins de 200 calories de Starbucks. Donc, on est allé se prendre 8 boissons qu'on a toutes ici puis on veut toutes les goûter devant vous. Donc, le premier, c'est le Americano glacé. C'est 10 calories pour le Americano glacé. Et il coûte 2,75. C'est bon. Oui, moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Pour 10 calories, on peut pas se tromper. Ah oui, vraiment pas. C'est un bon café glacé. Le deuxième, c'est le Frappuccino glacé allégé au caramel. Il est 130 calories, puis il coûte 4,65$. Oui. Ouh! Mais voyons donc, je peux pas croire qu'il y a des gens qui boivent ça. Oh mon dieu, non, non, c'est non. Wow! Mais c'est ben trop sucré. C'est vraiment sucré. Là, on est dans un dessert. Ah oui, like vraiment? Like it's a dessert. Yes. Ça goûte beaucoup le caramel. Le sirop caramel, là, vraiment. Quelqu'un qui aime les boissons sucrées en business. Bon, fait qu'on est vraiment à l'opposé du Americano glacé, là, on va se le dire. Ouais. Fait, admettons, si on compare les deux, qui sont clairement deux boissons contradictoires. Ouais, vraiment. Toi, c'est plus Americano. Ben oui, Americano for sure. En plus, avec 10 calories. Moi aussi, Americano, ouais. Pas de lait. Pour le troisième café, c'est le café glacé régulier avec un ajout de lait. Sans le lait, il est 60 calories, puis il revient à 2,95. Mm-hmm. Ok! Yes! J'aimerais ça te comparer avec le Americano de la... C'est dilué un peu. Celui-là est un petit peu plus prononcé, est un petit peu plus fort. Ah ouais, moi aussi je suis plus. Ouais, j'aime mieux Americano. Americano? Café, non. On dirait que ça goûte cheapette, genre le café. Ouais. Le quatrième, c'est le latte allégé glacé à la vanille. Il y a 120 calories et il coûte 4,25$. C'est pas si mm. Ah ouais, je pourrais boire ça, je pense. Ouais, c'est bon. Latte allégé glacé à la vanille. Ça goûte pas beaucoup la vanille, c'est un peu sucré, mais c'est crémeux, non? Tu trouves pas que ça goûte la crème un peu? Ouais, vraiment. Parce que c'est un latte, c'est plus onctueux. Plus onctueux, oui, ouais. Oui, comme plus. Oui, en effet. C'est plus soyeux en bouche. Comment réalise-t-on un latte? Je sais pas. Une shot d'espresso et le reste, c'est du lait. Ah bon, voilà. Merci, Barista Fi. Je prends les petits lots Starbucks, c'est très bon. Très beaucoup de tips. Pour le cinquième, c'est le latte allégé glacé. Il y a 60 calories aussi et il revient à 3,75. Là! Moi, d'habitude, je prends tout le temps ça au Starbucks. Je prends genre un latte glacé, mais je mets du lait dans mon. C'est vraiment un verre de lait. Ah oui? Il n'y a pas de café. Ben, j'aimais mieux celui-là à la vanille. Mmh. Ouais. Le sixième, c'est le macchiato allégé, glacé, secoué au caramel. Il n'est pas secoué, attendez! C'est le macchiato au caramel allégé, glacé. Il est 140 calories et il coûte 4,45$. On est comme dans la même famille que le frappuccino. Yes! Ouais. Ah, c'est bon! Oui, j'aime ça. Oui, on aime ça. Ah oui. Ça goûte vraiment comme le macchiato au caramel. Moi, je prenais souvent le chaud, là. Ah ouais, ouais, au caramel? Ouais. Ça goûte la même chose, mais en froid. C'est quand t'as envie, tu sais, d'un c'est ça, là, d'une petite sucrerie, on dirait. Ouais. Tu sais, je prendrais pas ça tous les matins. Comme...
comme café. C'est plus calorique. Donne-nous plus. La septième boisson glacée qu'on essaie, c'est le thé noir secoué, glacé. Il contient 100 calories. On dirait que j'aime la petite mousse sur le dessus, ça fait comme si on buvait une bière. Ah oui! Ah miam! C'est rafraîchissant, I love it! Je suis pas sûre. Ça goûte comme le thé glacé dans le fond. Mm-hmm. C'est le thé glacé. Mais un vrai thé. Ah ouais. Pas comme un cheap iced tea, genre vraiment sucré. Ouais. Ça goûte vraiment le thé. Comme c'est zéro sucré. Je suis pas sûre en vrai. Ah, moi j'adore. T'aimes ça? J'adore. Mais je suis moins le genre de fille qui va aller au Starbucks m'acheter un thé. Ouais, je suis genre 3,25 pour un thé. Je l'aime! Tu l'aimes? Ah oui, c'est mon prêt. Tu peux partir avec. Ok, merci. La huitième et la dernière boisson qu'on a, c'est la limonade au thé passion. Roulement de tambour. Zéro calorie. Oh my god! Non mais zéro calorie, je comprends pas, c'est fait avec quoi de l'air. Et c'est vendu 3,25$. C'est beau, c'est rouge! Oui! Oui. Ben, ouais, comme les passion fruit, mais ça goûte plus comme. Tu sais, quand tu achètes de l'eau à une saveur. Ah oui, ça goûte ça. Mais c'est goûteux, là, c'est bon. Mmh. Mais c'est bon, c'est rafraîchissant quand même. Ça fait été, là. C'est très. Très estival. Pour conclure, moi, ma boisson préférée, c'est le thé noir secoué. Mmh. Ah oui, vraiment. Bon choix. Moi, je dirais que c'est le latte allégé à la vanille. Mmh. Ouais. Vraiment, là, nouveau coup de cœur. Oui, je connaissais pas. Mmh. I love it. On espère qu'on vous a donné le goût d'aller essayer une boisson quelconque au Starbucks à moins de 200 calories. Parce que, écoutez, c'est such a great deal. Mm-hmm. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. Puis, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec deux filles, une ville.